De Segar, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Dying Light. Et je ne suis pas tout seul, comme vous pouvez le voir, je suis accompagné de. Cosinus. Voilà, de Hugo Greco, hein, enfin de Greco, parce que voilà, hein, Ouais. c'est un peu mieux que Cosinus Orphi 404, hein, on va dire. Ouais. Qui est plutôt Mais mauvais t'es déjà état, avec. visiblement. Est plutôt mauvais Oui. état. Et moi, en attendant qui souffre dans d'atroces souffrances, je vais améliorer un peu mon personnage. Nia, oui, je sais que je peux faire ça. J'ai amélioré tout ça là, comme quoi maintenant je vais pouvoir faire fabriquer des choses. Oui, je sais. J'esquive sur les côtés en appuyant sur R1, ça c'est parfait, c'est même hyper important. En combat j'en ai deux, oui. Donc non, je vais pas faire ça d'abord. Hein? Les bonnes patates au moyen d'étourdir. Ok. Lancer Ah ouais, multiple, moi ouais aussi non, j'ai je vais des prendre ça. compétences. Goku a 10% de chance, gnagnagna. Ok. Bon. Esquive. Tu me dis dès que t'es prêt à y aller? T'es prêt? Ah oui, je peux Taïo! faire des esquives. Bruit! Aïe. Ouais. Donc on va aller parler à Spike. Parce qu'il a un Allez. truc. Putain de merde. Ouais, mais t'as mis en difficile, mon gars. Ouais, et il a un truc à nous dire. Du coup, on va lui parler! Ok, très bien, si j'arrive pas à monter. Ça risque d'être problématique. Me fait Mais qu'est-ce mordre, que tu fous? me fait croquer. Eh, hey, c'est parti! On y va, on y va, on y va! Allez! Donc on va parler à Spice, qu'il a un truc à nous dire, il s'est passé quelque chose de. Putain de merde, juste à côté du truc. Toi aussi? Oui, moi aussi. Putain, bande de boulets qu'on Je est. suis très mal en point. Y a pas un pour récupérer l'autre. Normalement, t'as une régène de vie au bout d'un moment qui se fait à partir d'un petit point. Merde, Après, c'est pas. attends-moi. Mais avance aussi, je vais pas t'attendre tous les 5 pas. Ah oui, du coup je l'ai pas. Attends, j'ai juste modifié un truc vite fait dans mon inventaire que du coup t'as pas eu toi, mais regarde. Quoi? Attends, c'est ça là, voilà. Tu vois moi le truc? Toi tu Ah l'as oui, mais pas tu l'as ça, pris hein? au mec, la Et nuque. ouais, je l'ai pris au mec, merde, j'ai encore trompé de bouton. Du coup moi j'ai ce petit joujou, tu vois, un peu stylé. Et on va pas faire. C'était juste au-dessus en fait qui fait sauter. Ce petit joujou et que je trouve bien, t'es sympa. Par contre, il y a un truc, regarde là sur ton sur ta carte, sur ta minimap. Il y a une sorte Quoi? de chaussure là-haut avec 3 étoiles dessous. Ouais. Mais on va le faire. C'est quoi? C'est une sorte de petite course, ça va nous permettre d'avoir des points d'agilité bonus. Et franchement, tu verras, c'est hyper rentable, du coup, c'est bien à faire. Regarde. Waouh. Oui, il a fait. Ce que Gna, gna, l'acier fait gna. Du pas. coup, tu lis. Hein. Ouais. Voilà. Ok, c'est bon. What? Attends, ça a changé du coup. Oui. Ok, c'est nouveau parce qu'avant, il n'y avait pas le truc du bonus de boost de vitesse. Maintenez pour participer. Vas-y. Wesh. Du coup, c'est une course, hein. C'est chacun pour son cul. Ah, autant. Ah, le salaud, il est en tête. Non! Ah. Ah oui! T'as fait l'erreur qui te sera fatale! T'as de la chance. Putain, connerie! Merci. C'est de la connerie ce truc! Où qu'il faut aller? What? Ok. Moi j'ai. Ok, très bien. Oh bah je suis foutu là. Possible. On va continuer, on va y arriver, on va y arriver! Hop! Allez, escalade, ça va! Je suis re-rentré dans la zone sécurisée, t'y crois ça? Oui, bah moi aussi. Putain, putain. C'est où, c'est où, c'est où? Au-dessus! C'est au-dessus, c'est haut, c'est haut! Bon, il y a 26 points.
Allez, monte. Vas-y, mon cochon, tu peux le faire. Et hop. T'es juste devant. J'ai un peu de marge quand même, visiblement. Oh, c'est stylé. Oh, j'ai pas fait exprès, mais c'était stylé. Quoi, tu savais pas? Non, j'ai pas fait gaffe en fait sur le coup, je t'avoue, j'étais pas trop prêt. Ok, là j'ai foiré. Ok, moi aussi. Ah, il y a des zombies. Oui, il y a des zombies. T'es en sous. Oh bah là, ça gagne. Hein. Oh non, mais non. Oh bah, je suis foutu. De toute façon, la limite de temps, tu sais, on va même pas la voir en fait, je crois. Perso, il a même pas voulu sauter alors. De toute façon, on n'est pas bon. Vas-y, laisse tomber, ouais. C'est mort, on peut pas le faire. C'est en fait, on était limité en temps et c'est trop compliqué. Et regarde-moi. T'es prêt? YOLO! Ça passe. Je t'ai suivi quand même, quoi. Hop! Et Spike! Crane, je voulais te féliciter pour ce que tu as fait. Maintenant, si t'as besoin de quelque chose, viens me voir. Et pour commencer, voilà une lampe UV et une télécommande. Si tu croises un rapace, tu lui bronzes la tronche. Ou tu l'entraînes dans un piège, que tu déclenches avec la télécommande. Compris. Parfait. Bon, venons-en au fait. Malgré tes efforts, la mission de Brecon s'est soldée par un échec. Merde, il va bien? Il est toujours en vie, mais tu devrais retourner à la tour. Jade a rappelé tous les éclaireurs, et ça veut dire toi aussi. Ok, bon, c'est déboulé, ils ont tout raté. Okay, ouais. C'est bande de casse. Ouais, on retourne à la tour. Ouais, enfin, d'abord, on doit parler au gros. Du coup, faut monter. Oh, non! Oh putain, j'ai failli. Il est tombé. Allez! Moi j'ai juste check vite fait les boîtes en dessous. Hop. Y'a rien dedans. Ah. On m'appelle. Ici Crane. Au rapport. Possible réunion avec le chef de la tour sous peu. Bien reçu. Confirmez son identité et contactez-nous immédiatement. C'est ridicule. Ok. Bon. D'accord, la boîte était buggée, en fait ça l'a pas ouverte. Oh, le bordel. Pense à prendre le bordel qu'il y a un peu partout, parce que franchement tu verras à un moment ça te servira. Ouais, je sais. Hop 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 hop. Allez viens, on va voir le concierge, il y a peut-être des objets à nous donner aussi. Enfin l'intendant. Pas d'emplacement libre pour le tuyau. Ah ouais, c'est triste. Attends, je vais vendre un peu de bordel à l'autre. Mais il donne ça gratuit? Oui. Moi j'ai tout pris. T'es parti où? Ah t'es au shop. Toi, je vais te faire ouais. Un bon prix. Fille, comme ça je peux lui vendre du bordel qui me sert à rien et si j'ai envie d'acheter quelque chose, mais il y a rien qui m'intéresse, du coup je vais rien lui acheter du tout. Des fois on dirait qu'il y a personne à l'extérieur. Hop. Voilà, allez. Moi je t'attends pour prendre l'ascenseur. Attends. Bah oui, justement, j'attends. C'est bon. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un kit de soins. Je vais faire aller un crochet, hop. Et on prend l'ascenseur. Oui. Mais ça veut dire qu'on a les mêmes cinématiques. Ouais, c'est pour ça que j'ai plus besoin de te dire, ferme ta gueule, il y a une cinématique. Jade organise une réunion dans la tour. Ce sera enfin l'occasion de voir Brecon et de confirmer son identité. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon. Il est où? Ah, attends, 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 reviens. Reviens! Quoi, quoi, quoi? Les 4 secondaires! C'était du joli boulot, 31. Crane, c'est ça?
Ok, d'accord. C'était inutile. Putain. Payne. Écoute, Brecken et ses traceurs sont partis chercher une livraison la nuit dernière. Tous les autres ont été attrapés par les mordeurs. Et les hommes de Rice ont piégé Brecken, l'ont tabassé et lui ont volé ce qu'il avait récupéré. Il veut aller lui-même chercher la prochaine livraison. C'est hors de question. Et j'ai besoin que tu me soutiennes. Compris ? Mais enfin, tu tiens à peine debout. C'est vivant qu'on a besoin de toi, imbécile. Bon, on y va. Et l'air sûr de toi. Salut, Brecken. Lena ? Peut-être qu'il vous écoutera, vous. Salut, Jade. À qui est ton ami ? Kyle Crane. Écoute, Brecken. Il ne faut surtout pas que tu retournes là-dehors. On va trouver un autre moyen, sans risquer ta peau. N'est-ce pas, Crane ? C'est bon, je vais m'en charger. Voilà, super. Crane peut y aller, ça lui fait plaisir. Pas lui, visiblement. Non. Ça arrive. Ne prends pas mal, mais tu débutes. Tu peux pas... Crane se débrouillera. Il sera au bon endroit. Elena a raison. Tu dois rester ici pour veiller sur la tour. Pour les convaincre que le monde n'est pas encore fichu. Eh merde. Bon, peut-être un essai avant d'aller voir Rice. Bon, ok, entendu. Mais il sert la main, petit. Bonne chance, Crane. Le gars, il est un peu coincé, quoi. Faut-tu lui apprendre ? Jade, une minute ? Bien sûr. Rends-toi au chaudron, je te contacte très vite. Ok. Ok. Bon, on va pas leur demander ce qu'ils vont faire, hein. Ni à ces oiseaux, qu'est-ce qu'ils foutent là-dessus. Bon. Putain. Il y a autre chose dont on doit parler. Brecken a une méchante blessure. Et c'est pire que ce qu'il veut nous laisser croire. Il a pris un smoke weed every day. Et maintenant, il se met à avoir des crises. Et moi, je n'ai plus de Loratrax. Plus personne doit en avoir. Les anti-épileptiques se vendaient comme des petits pains quand l'infection a commencé. Les magasins sont vides depuis un bail. Oui, en effet. Comment est-ce que tu sais tout ça ? Que veux-tu que je fasse, Lena ? Il y a un homme en ville qui s'appelle Gazi. Il n'est pas vraiment dans ce monde, si tu vois ce que je veux dire. Sa mère était épileptique. Alors, il allait chercher ses médicaments tous les mois. Elle est morte, il y a 2 ans. Mais Gazi a continué de passer au magasin pour son ordonnance. Il a ses habitudes. Et il peut être... assez insistant, c'est le problème. Alors, ils ont continué à lui en donner. Tu crois qu'il les a accumulés pendant tout ce temps ? S'il ne l'a pas fait, je ne sais pas où nous... Wow ! C'est passé quoi, là ? Oh, il y a eu un vieux bug chez moi. D'ailleurs, tu sais comment est-ce qu'on se... Quand on se soigne ? C'est flèche du bas, mais là, t'es full life, déjà. Oui, je sais, mais c'est que je savais pas, en fait. Donc là... faut que tu viennes vers moi. En fait, on prend toutes les quêtes secondaires. T'as une clé en rab pour la 202 ? Quel est le problème ? Il se passe quelque chose là-dedans et la porte est verrouillée de l'intérieur. D'accord. En fait, on va faire toutes les quêtes secondaires. Moi, je pars sur ce principe, hein. Si je fais le jeu, c'est à 100%. Daoud doit encore avoir plein de trucs dans sa boutique. Sans doute un peu de tout. Mais sûrement des trucs qui nous seraient utiles. Et c'est quand vous parlez pour dire des trucs utiles aussi ? Parce que là, franchement, vous m'intéressez pas du tout, quoi. Putain. Là, toi, ça te dérange pas de faire un 100%, j'espère ? Non, non. Il se passe quoi, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Bahir s'est enfermé dans sa chambre. On l'a entendu crier. Si ça se trouve, il a basculé. T'as entendu ça ? J'arrive pas à ouvrir la serrure. Tu veux essayer ? Pourquoi pas ? Ouais, je vais essayer. Allez, on fait ça. Ah, tu le fais ? Très bien. Non, vas-y, je vais le faire, tu sais quoi ? Non, vas-y, t'étais en galère, je vais le faire. Ça y est, c'est fini. Regarde. Tayo ! Il est doué ! Bah, il est là ? Aide-moi ! Il est où ? Il est où ? Ah, merde, c'est vrai qu'on a les lampes. Ah, il est là ! Qu'est-ce qui va pas ? J'arrive pas à bouger ! J'ai l'impression que mon cœur va exploser. T'es en train de basculer ? Non, non. J'ai pris de l'antizine et ça a déclenché la douleur. Le flacon est par terre. Oh, l'antizine. Fais voir ça. C'est de la camelote, ce truc. Quoi ? C'est une contrefaçon. T'as eu ça où, Bahir ?
Par pitié, j'ai besoin d'un médecin. Dis-moi d'abord qui t'a vendu ça. Je ne peux pas. J'ai promis. Ce gars me rend service. Il m'apporte des trucs de l'extérieur. Comme de l'antisine frelatée, c'est ça? Les gens pourraient en donner à leurs gosses. T'as envie qu'ils vivent la même chose que toi? Non! Bien sûr que non! Alors dis-moi qui te l'a vendu. Youssouf. C'est un des éclaireurs. Il est bizarre. Il vit sur le toit. Je vais chercher le docteur Léna. Ok. Ouais, non, vas-y, on s'en fout après. Tu le démerdes. Tu l'as tué? Il a pas basculé. T'en viens. Mais il a besoin d'un médecin. Tu croyais qu'il était en train de se transformer? Bon, je dois partir d'ici. Emmener ma femme et mon fils en gassure. Moi, je dirais que le seul endroit sûr, c'est ici. Dans le bidonville, peut-être. Mais le bidonville n'est pas sûr. C'est pas un endroit pour ma famille. Et j'ai trouvé comment en sortir. Du bidonville? Je peux pas te donner les détails. Mais je dois traverser la ville. Et je peux pas le faire sans un flingue. Si tu m'en trouves un, je te parlerai d'un endroit qui n'a pas encore été pillé. Je te promets que tu le regretteras pas. Comment tu sais que cet endroit n'a pas été pillé? Parce qu'il y a qu'une personne qui a accès à cet endroit. Et tu l'as devant toi. Apporte-moi un flingue et t'auras la clé. C'est tout ce que tu pourras y trouver. Alors, comment dire? Ça va être compliqué? On a même pas de flingue nous, alors. C'est ça, bah, va te faire voir, hein, en gros. C'est par là-bas. Donc on descend, on va voir le docteur Léna, là. Je crois qu'elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle. De toute façon, ces quêtes-là, je pense que... Enfin, moi, je pars sur le principe que on les fera, genre, tout avant de continuer la principale. Ça te va, toi, ou pas? Ouais. Allez. Tu devrais jeter un œil à ça. Le numéro de l'eau n'est pas bon. C'est un faux. Il y a quelqu'un au 20e qui l'a pris, et maintenant, il est coincé. Aman, va là-bas. Dépêche-toi. Comment il s'est procuré ça? Auprès de Youssouf. C'est un des éclaireurs. Il ne peut pas l'avoir produit ici. Quelqu'un a dû le lui fournir. Je sens que je vais avoir une petite discussion avec Youssouf. Le plus tôt sera le mieux. Ne lui fais pas de mal. T'inquiète pas, on ne va pas lui faire de mal. On va juste le torturer à mort. En fait, je sais pas si ça s'est entendu dans le micro, mais je fais craquer mes doigts. Du coup, c'était comique sur le coup. Si, j'entends. Ah, c'est parfait. Bon, où il est, Banane? Oui, il est juste là. Ah non, ça c'est l'autre. Non, patate. Ça, c'est il est là, je crois que c'est lui. Oui, c'est lui. Youssouf? Bienvenue au grand bazar de Youssouf. Ce qui est introuvable, on le trouve chez moi. J'ai absolument tout ce qu'il te faut. Oui, je cherche de l'antisine. Ah, voilà une surprise. Mon ami, c'est ton jour de chance. Non, Youssouf, c'est toi qui as de la chance. Parce que je vais t'offrir l'occasion d'être honnête et de me dire où t'as récupéré la saloperie que t'as vendue à Bahir. Bahir? Bahir, tu dis? Je suis censé connaître un Bahir? Il a failli mourir à cause de l'antisine frelatée que tu lui as vendue. Frelatée? T'en es sûr? Elle est pas bonne? Je viens d'en acheter 10 flacons à ces types, je l'ai payé cher! Quel type? Eh ben, c'est un peu délicat. Quel type, Youssouf? Je commence à perdre patience. Il y a un bâtiment à côté de la pharmacie, quelques survivants vivent à l'intérieur. Je sais pas combien ils sont, j'y suis jamais rentré, moi. Ils ont des médicaments. Certains sont des vrais, ils viennent sûrement de la pharmacie, hein. Mais ils préparent aussi leur propre truc. Mon contact s'appelle Bento. Tu vas brûler tous les flacons qui te restent. Ils m'ont coûté un paquet. Ça te coûtera bien plus cher si j'apprends que tu continues à fourguer cette saleté. Cher. T'as compris? Gréco, on se retrouve en bas. Eh, salut. Ouais. Merde, ça a pas marché. Non, c'est fou, saute pas. Mais non. Oui. Pourquoi t'as sauté? De toute façon, ça fait pop en haut. Mais non, ça fait pop en haut à chaque fois. Fais voir. Youpi. Ah, c'est nul. Mais genre, c'est là en fait, tu fais. Comme ça. Salut. La petite esquive, tu sais, mais. Enfin bref, allez. Au revoir. Allez, on descend. Allez. Excusez-moi. Ah, t'es souhait, monsieur. Merci. Non, t'es descendu trop bas. Non, je suis descendu trop bas. T'as pris le mauvais tournant, mon gars. T'es par là. Donc on se rend à la pharmacie. Parce que ce Youssouf, là, il vend de la merde. Donc là... Mais là, c'est pas la mission principale, ça. Non, 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 c'est la secondaire. Mais ils vendent de la merde, ce Youssouf de mort, là. Ouais, quel con.
Ah, il va le payer, il va le payer. T'as une musique arabe ou quoi? Aïe aïe aïe. Maliko désapprouve. Hashtag Maliko. C'est Maliko ça. Dans les commentaires. Oh non, parce que sinon faudrait le mettre à chaque vidéo, quoi, ça serait un peu relou. T'es déjà descendu? Bah ouais, mais on est pas à Longoin non plus, hein, c'est juste là. Allez. Okay. Alors c'est parti. Donc moi je pense que on va. Oh sa mère. Ok. On va. on va faire cet épisode, enfin on va finir cette mission là et je regarderai le temps de vidéo là, mais je pense qu'on s'arrêtera là pour cet épisode aussi. Ouais. Ici Lena. Je veux pas les faire écoute, trop long. Ah on a trouvé deux autres flacons d'antisine contrefaite. Ah, il y avait un zombie juste là où t'es passé. Tu m'étonnes. Bon. C'est pas grave, on s'en fout. Mais si on était arrivé 10 minutes plus tard, il était fichu. Tiens. Ce truc est mortel, Crane. Viens sur le camion. C'est de les empêcher de oh. Attends, justement. Oui. T'as des pétards ou pas? Quoi? Ouais. Lance-les. Attends. Lance-les de manière à ce qu'ils viennent jamais sur moi. Attends, là où je vais en lancer un. Hein. Je les envoie là. Oui, relance, mais pour éviter qu'il me frappe. Faut pas qu'il me frappe. Putain. Dépêche-toi. Dépêche-toi, je ne m'en reste plus que 4. Nah. 3. Vite. Ah, c'est bon. Merde. J'ai activé le piège lumineux. C'est bon, c'est bon. J'ai eu un vieux truc à la con. Bon, allez. D'accord, tout ça pour ça. Putain, j'ai ouais, tout ça pour ça. Pétards. Moi, j'ai cru que ça allait être vachement plus mieux que ça aussi, en fait, pour le coup, je t'avoue. Attends, hein. Frappe pas, écoute d'abord. Des vrais, il doit y en avoir des dizaines un peu partout. Super. Je me demande combien on sera à se faire tuer pour ramasser des bouteilles vides. Tu veux poser la question à Bento? Hein? Surtout pas. Il est plus taré carapace. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon ami? Ah, mais c'est lui. Il paraît que tu vends de l'antisine. Qui t'a dit ça? Ton petit doigt? La même personne qui m'a dit que tu mettais cette saloperie dans de faux flacons. De la saloperie? Ma formule est 100 fois meilleure que la dope qu'ils larguent dans leur caisse. Non seulement elle soigne, mais elle rend super fort et super rapide. Avec mais mes couilles, oui. Je pourrais non, cramer oui. D'un seul regard si je voulais. Je viens fermer le labo, Bento. Ouais. Youssouf m'avait prévenu que tu nous causerais des ennuis. Et Youssouf avait raison. Et toi, t'es mort. Sans déconner. Tiens. Oh, il met des lourdes patates. Oh, Tu te rends compte que c'est quand même la fin du Attends. Ah, je suis mort. T'es mort? T'as déjà? Ouais. T'es sérieux? Ouais. Neuf, c'est bon, t'es vivant. Je suis sur le camion. Ouais, non, mais il lance des trucs, du coup, ça sert à rien. Mais c'est pas possible. Non, mais t'es encore mort. Mais oui. Putain, mais t'es incroyable. Tu veux quoi, toi? Bon, je meurs. Non, non, attends. Putain, fous-moi la paix, oh bordel. Mec, ils sont super durs à buter. Mais t'as mis en difficile aussi. Ouais, je pense qu'on passera en facile. Parce que j'ai pas envie de m'embrouiller trop longtemps et franchement, ils sont presque imbutables, ces connards. Là. Oh là là. Oh, bon, je suis mort. Hein. T'es mort? Ouais, je suis par terre, ouais. Oh, je vais mourir. Ah oh là là. Je suis mort aussi. Boah, vous êtes mort. Bon, mais je crois qu'on va arrêter cet épisode pour maintenant. Hein. Ouais. Dans le prochain épisode, on se retrouvera et on les tabassera encore plus fort. Parce ouais. Que là, boah, tu spawns trop loin. Et ouais, on se retrouvera pour les tuer encore plus fort et tout dans le prochain épisode. Et sur ce. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner et surtout à...
J'ai tout dit en fait. Ouais. et on se retrouve pour le prochain épisode de Dying Light. Allez, sur la place tout le monde. Saute. Ouais, il est content.